Papa, pose-toi. Arrête, Kofi, c'est quoi même? Tu vas la tuer. C'est fini. Elle ne sortira plus. Je vais la faire surveiller. Surveiller par qui? Tu n'es jamais là, mais toujours à faire le prodada dans les maquis, là. Tue-moi. Alphonsine, ne me provoque pas. Je n'ai pas besoin d'un juge, là. Hervé! Hervé! Oui, tonton. Hervé, à partir de ce soir, tu surveilleras Bintou. Tu me diras tout ce qu'elle fait, le jour comme la nuit. Je vais m'enfuir. Tout le temps comme ça, tonton, mais j'ai des choses à faire aussi. Quelles choses? Tu ne fous rien de tes journées. Et puis d'ailleurs, c'est un ordre, espèce de parasite. Ah, si c'est un ordre, Dieu, c'est dû d'habiter chez des... Hyacinthe, est-ce qu'on peut te déranger un peu? Coro, j'espère que c'est important, là. Très. Ça concerne ta fille, oh. C'est quoi, Adjoa? Tu viens te plaindre, c'est ça? Tu veux sortir et tu trouves que je suis trop sévère avec toi, hein? Mais c'est pour ton bien. Les filles de ton âge font n'importe quoi, sortent les nuits et se donnent à des vauriens et puis prennent des grossesses. Hyacinthe, mais comment tu as su qu'Adjoa est enceinte? Adjoa enceinte? Mais pas comment et où elle est passée pour attraper ça? Papa, pardon, papa. Mais pardon, ça. Pardon, n'enlève pas grossesse. Je vais te tuer. Mais fais ça à moi. On va tout expliquer. Coro, c'est de ta faute. Tu n'as pas bien suivi. Mais Hyacinthe, je te faisais confiance. Oh. C'était toi le vigile de la maison. Un vigile, pas vigilant. Tu vas me dire qui est ce voyou, ce vaurien qui t'a fait ça, que je le... Papa, c'est pas un voyou. C'est le fils du patron de la Sissoko. Maman, je dois te parler. Moussa, c'est toi qui sens la boisson comme ça? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as cassé ta Toyota? Non, maman, ça c'est rien à côté. Oh. Tu as écrasé quelqu'un alors? Non, maman, ça c'est rien à côté. Oh. Bon, accouche Moussa, je n'ai pas que ça à faire. Justement, maman, en parlant d'accoucher, il y a une fille là qui dit que je l'ai enceinte. Quoi? Aminata, laisse-nous. Ne te fâche pas. Oh. Non seulement tu es vilain, mais tu trouves le moyen de te reproduire. C'est pas ma faute, maman, c'est un piège. Bon, c'est la fille de qui? De personnes que tu connaisses, déjà respectables. De Yopougon. Yopougon? En plus, une roturière. C'est pas son métier, ça, maman. Imbécile! Et ça va être papa. Si tu ne m'aides pas, maman, qui va le faire? Mais ton père, il est dans son troisième bureau. Va le voir. Pitié, viens avec moi. J'ai peur de lui. Tu le sais, maman. Il fallait réfléchir avant de mettre ta petite chose-là, n'importe.